Alors ici, nous sommes dans les loges de nos deux avant le show de l'Assomption. De, comment ça s'appelle, là, ici? La boîte à chansons. Oasis. La boîte à chansons. Vous voyez, les portes ouvrent tout seul déjà. On peut voir. Ici, là, c'est la bâtisse la plus vieille au Canada. Ça a été construit en 1811. C'est un ancien tribunal. Palais de justice. Palais de justice. Et dans cette pièce que voici, que je vais aller vous montrer, il y a eu à peu près une trentaine d'investigations de chasseurs de fantômes. Parce qu'il y a des esprits ici. L'esprit s'appelle... George. On peut voir ici... Oh, that's beautiful! Pas comme dans Chasseur de fantômes. Alors, bonjour, je m'appelle David. J'aimerais établir un contact avec la personne ici présente. S'il y a quelqu'un, faites-moi un signe. Arrête! Ça me fait peur! Faites bouger le chandelier pour moi. Bonsoir. Il y a de ces matins trop tôt pour se lever, pour faire le beau. Il y a de ces petites douleurs quand travailler, c'est compter ses heures. J'oublie pourquoi j'oublie ce que je suis. J'oublie pourquoi j'oublie ce que je suis. Merci. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est ça nos deux. C'est ce que vous venez juste d'entendre. Ça, c'est le quotidien de nos deux. Parce que nos deux, c'est pas juste un couple sur scène, c'est aussi un couple dans la vie. Oui. Les malheurs s'entassent à la télé, les radios chialent, les journaux s'emballent. Comment me plaindre de mon petit mal quand je le compare? Il n'est pas taille. Alors, comme mentionné par la gentille Marie-Claude, parce que là, on aime ça se plugger. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de Yamaska à TVA, mais voilà, on a une de nos chansons. Si vous permettez, on aimerait ça vous la faire. Fait que c'est ça, c'était pour ceux qui le suivent, justement, c'était l'épisode où que Rachel s'est suicidée. C'était un épisode assez lourd, puis c'est à la fin, quand le père de... du jeune homme, je me rappelle plus son nom, il recolle les morceaux de la lettre qu'elle a laissée, tu sais. C'est assez dramatique. Puis la chanson n'a pas été faite pour ça à la base, elle a été faite dans le fond pour parler du fait qu'on est tous des particules futiles. Coupable, coupable du pire, capable, capable du mieux, entre le bien et le délire, il court, cherche à être heureux, jamais savoir, jamais prévoir les détours de sa propre histoire. Prochaine perte, prochaine pente, prochaine joie, prochaine danse, tout tourne autour de tout, un grand carrousel d'électrons et du soleil jusqu'à Pluton. On fait briller un peu de nous. Une fourmilière humaine qui se démêle. Une fourmilière humaine qui se démêle. Je ne sais pas s'il y en a qui jouent de la guitare, là, mais vous allez voir. On a pris à peu près quoi, une dizaine de chansons sur les mêmes quatre accords toujours, d'accord? Je pense que le cerveau humain il est seté sur ces quatre accords-là. Parce que quand tu fais la majeure, mettons, mi majeur, fa dièse mineur, mi ré majeur, ben, t'enchaînes ça, puis tu parles d'amour en anglais, en français, en allemand, en chinois, c'est presque sûr que tu fais un hit. Presque. Premier. En voici quelques exemples. Somewhere over the rainbow,
je vois la vie en rose. Mon cœur s'envole et je m'enfonce dans cet avion qui m'amène loin de toi. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot and I melted. I felt right through the cracks, and I'm trying to get back. A note. No woman, no cry. Ça marche toujours. No woman, no cry. Say. When I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving flag. Chanter dans les stades, chanter dans les stades, chanter dans les stades. Déjà que l'eau, c'est pas la mer à boire. J'ai pas envie de retrouver la mer dessalée au fond de mon verre et boire tout un océan. Et boire tout un océan. Secrets enfouis au fond de moi. Où sont les terres fragiles d'autrefois, que sont devenus plaisirs d'aurore. S'imaginer le mieux, si fort, secrets enfouis au fond de moi. Que sont devenus plaisirs d'aurore. Chers enfants, étant musicien, on n'a pas grand-chose à vous léguer, chers enfants. Mais on a eu beaucoup de temps, par exemple. Ben oui, du temps que nous avons passé avec vous, chers enfants. Il me reste quand même à vous léguer ma guitare. 2-3 pics. Ma Corolla 97. 2-3 caisses d'albums à vendre. 127 000 pièces de dette. 157 000. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas grand-chose. Pas de REER, pas de placement. J'ai pas grand-chose pour te parler d'argent. Une vieille auto, mais qui m'amène là où il faut. Des vieux souliers que les chats ont graffinés. Inquiète-toi pas. Que tu doutes ou que t'aies peur, je serai toujours là. Comme le gardien de ton bonheur. J'ai pas grand-chose à t'offrir, mais le peu que j'ai devrait suffire à te faire grandir, te faire sourire. Chaque jour. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Gentil, merci. Donc là, on est après le show. Ok, c'était bien le fun. Ça vraiment super bien cool. Été. Ouais, ouais, c'était vraiment cool. Super ça, on a senti des fantômes qui étaient dans la salle avec nous. Ouais. Non, mais c'était une salle intime, ici, à la boîte à chansons. On a signé les autographes. On est full, vedette. Hein? Puis non, on a vraiment aimé le spectacle. Puis c'est ça. Et tu vas aller faire un enfant. Un autre?